Bien les bons conseils. Donc ouais, tiens, Kamsett, ce que je voulais te montrer, donc pour cette saison 28, donc ce qui est complètement nouveau... Attends, mais... Ah oui, je me heal quoi qu'il arrive, ok. Voilà, c'est ça, c'est Hôtel des Ritz. Donc c'est complètement nouveau, en gros, c'est une sorte d'art de talent. Offre un sub à Jérémy, s'il te plaît. Le problème, c'est que c'était le jeu préféré d'un pote d'enfance, ouais. Ah! Bon, j'ai pas été dans cette situation, vous avez un pote d'enfance qui aurait pu... décédé, je suppose. Mais ouais. Je sais pas quoi dire. Oui, j'avais compris. J'avais bien compris, t'inquiète. Est-ce que si Pookie meurt, j'aurais plus envie de jouer à Diablo? Je sais pas. Je sais pas. Bonne question, ouais. Ah oui, d'accord, les souffles de la mort pour la suite, c'est... Ah oui, je comprends mieux pourquoi tu dis que c'est important. Oui, ok. Oui. D'accord. J'avais pas vu ce détail. Ah ouais, non. Oui, il en faut... Oui. On va looter. Alors, 25% réduction des dégâts, plus 200 points de dégâts. Il est... Je crois qu'il est vraiment nul, notre côté Pookie. Heureusement, on retrouve après. Je crois qu'il est vraiment... Mais c'est les mêmes compos pour avoir des trucs antérieurs. Des trucs antérieurs, c'est-à-dire antérieurs. Ah oui, pour avoir à droite. Ah oui, c'est ça. Ça change les compos. Mais bon, maintenant, on a plus d'intérêt à le prendre, les objets n'ont pas des modes requis. Oui, bah oui, mais bon, si après ça. Non, je suis d'accord, Cam. Mais pour le coup, je peux pas t'en parler, étant donné que j'ai beaucoup de gens morts autour de moi, mais jamais d'amis. Le truc le plus proche qui va se rappeler de ça, généralement, c'est genre une ex à laquelle tu tenais vraiment, tu vois, mais. Elle jouait pas aux jeux vidéo, généralement, mes ex, donc. Tu sais, genre. Un gros chagrin d'amour, c'est pas un décès, mais c'est vrai que c'est. Ça peut être quand même très intense, mais j'ai même ça, je l'ai pas à proposer en comparaison, donc. Je peux pas savoir ce que tu ressens, souris. Je combattis, c'est tout. Chasse, dans la tête, une casque. Parce que là, j'ai une chasse de tête dans mon truc de sage. Vous conseillez quoi, le chat? L'XP? Je mets quoi? Les temps de CD? Peut-être, sinon, ça peut être pas mal aussi, le temps de CD. Ou les 33%. Ah non, puisque que 3,3% au niveau 110. Ah oui, y a pas grand intérêt. Je dirais les temps de CD, non? 10%. Sur mon CD d'une minute sur 90 secondes, je récupère 10 secondes quasiment en plus. C'est pas dégueu. Bon, on verra plus tard. L'avantage du 16, quand tu joueras solo, tu pourras le donner à ton compagnon et ça te donnera toujours le double de souffle parce que c'est le principe des items irradiés. XP, c'est simple. Ouais. Je sais pas de quoi tu parles, Jérémy. Je suis désolé. Je connais pas. Donc, on a le cube, Pookie. Ok. Alors, compagnon, ça n'y est pas encore. Tuer Urzael. On avait dit qu'on allait buter Urzael. On va tuer Urzael ? Urzael ? Ouais. Là, j'ai 3 millions de robustesse nature. Et 187 000 de DPS. J'ai vu. J'ai vu irradier, mais je sais pas ce que ça veut dire irradier, moi, Jérémy. Comment diable je pourrais savoir ce que ça veut dire? C'est ça. D'accord, Konotaro, ok. Ça marche comme ça. Je t'avoue que j'ai n'ayant jamais vécu ça, comme d'hab, hein, je parle pas de ce que je connais pas. Il n'a pas essayé à m'irradier. Hein. Ok, ok. Ouais, bah quand Pookie ira se coucher, peut-être demain, on verra. Ou même ce soir, comme c'est un casu, on verra ça. Non, mais j'ai des jambes 53. Hein. Bah, c'est pour ça, moi, j'ai fait. T'as fait 3 pièces de 7 ou pas? Perso, j'ai pu les faire pépère. Ah, non, j'ai pas les. Ah ouais? C'est chelou. Ah, parce que j'ai essayé de craft 3 armes. Mais avec des composants légendaires, c'est ça? Non, mais c'est les jaunes. Ah! Okay. Ça crame bien les jaunes. J'arrive. Je sais plus si j'avais fait un TP, moi, donc je reviens à patte. Il ressemble à quoi mon personnage là? Pas à grand chose. Pas à grand chose. Globalement, il ressemble pas à grand chose. Ah, ils ont fait du très bon boulot, hein. Vraiment, hein, Cam. Et il y a une énorme hype pour la blague sur la saison. Ok, bon, le DPS c'est un peu amélioré, clairement. J'ai un bon heal, boucherie. Ouais, t'inquiète, hein. De toute façon, la saison, elle est là, hein. Donc bon, ça bougera pas, hein. Et ça qui est bien, c'est que c'est quoi? C'est 3 mois une saison de Diablo, je crois, non? Il y a large le temps. Mais visiblement, en fait, ils en parlaient un peu, tu sais, dans les patch notes.
c'est que comme c'est la dernière saison avant Diablo 4, ils ont voulu vraiment... Attends, on va faire le coffre, hein. Ils ont voulu sortir du vrai truc, quoi. Plutôt 6 mois en ce moment. Ah, ok. Alors, tuer tous les ennemis, hein. Pas de problème, c'est parti. Ah, voilà du DPS, là. Ah bon? Ah, mais c'est nul, ça. What the fuck? Ouais, mais j'ai claqué tous mes CD, là, résultat. Vas-y, je suis deg, là. Toi aussi, je suppose. Putain. On avance vers Urzel. En vrai, il y a des mobs un peu sur le chemin. Niveau 4 de parangon direct. Et toi, t'es passé 6, mais en quel honneur? Bah, tu sais, j'avais de la... T'es un gros enfoiré. Tu vois, on va vite se rattraper. Hein. J'étais déjà à 5, je crois, quand t'es passé. La saison dure jusqu'à la sortie de D4, en gros. Hein. Ok. Et est-ce que c'est la dernière saison ou ils vont continuer de créer du contenu pour Diablo 3 après? Ce n'est pas encore vrai. Parce que ça serait pas déconnant qu'ils arrêtent le jeu après 11 ans. Hein. Je suis peut-être un bâtard, hein, mais bon. Après 11 ans, moi ça me choquerait pas qu'on dise écoutez, maintenant nous allons concentrer sur Diablo 4. Hein. Ils avaient dit que ça continuerait, d'accord. Je pense qu'ils se font chier pour rien maintenant. Peut-être une saison de plus, et histoire de faire transition, mais. Non, mais ils vont en vendre 10 milliards des Diablo 4, ça va aller. Hein, enfin, oui, oui. Je m'inquiète pas pour Blibli, hein, putain. Ah non, je dis qu'on y a des gens sur Diablo 3. Ah oui. Direct. Il y aura plus de création, mais des relances anciennes saisons. Oui, au pire, comme ça, voilà. Parce que quand t'as des ressources, c'est logique pour le coup de pas le caler dans un vieux jeu, quoi. Enfin, ça, moi, ça me choque pas, là. Tu vois, c'est pour ça d'ailleurs que ça me rend fou dans les consoles, putain. Vous savez, là, tous les jeux. Ah, attends, je vais claquer en Berserker là-dessus. Tous les jeux là qui sont toujours encore pour la PS4, tout le bordel, et qui réduisent la gueule des jeux actuels parce que bah ils s'acharnent à vouloir faire encore des jeux cross-gen. Ça m'emmerde. Ouais, je suis un connard, mais bon, ça va, ça fait 3 ans qu'elle est sortie la PS5. La première année, ok, la deuxième année, ça commence à faire long. 3 ans, bon, stop quoi là. 3 ans, les anciens. Et ouais, hein, ça fait 3 ans cette année, hein. Ça remonte. Hein. Pardon? C'est une console rétro. Bah, il y aura bientôt sûrement la PS5 Pro, surtout. Je dois me soigner. Eh non, soigner, pas besoin. Ah si, ça va faire boum là. En fait, si on renvoie des gammes, casse un peu les couilles lui, hein. Bon, attends, maintenant faut chercher. Bah non, c'est Urzel là, non? Attends. Bah non, c'est une prime à la con. Ah oui, merde, oui, t'as raison. Ah oui, en fait, depuis le début, on va vers une prime, d'accord. Ah ouais. C'est ça qui est bien d'y aller quand il y a l'air. Ouais, là, on n'a pas la prime sur Urzel. Ça y est, passe. Putain, attends, on peut bouger. Ce n'est pas encore. Paragon, je sais pas quoi mettre, moi. T'as des conseils? Tu mets. C'est quoi? Force, de toute façon. Force, Vita, déplacement, non, fureur. Alors. Justement, mets pas Force et Vita, mais ceux où il y a des points là déjà, des points max. Des... Ah, 0 sur 50, ouais. Ok. Ensuite, c'est en termes de DPS, normalement c'est le crit. Donc vitesse, tu me dis? Ouais. Plus que Führer, vitesse, ok. Vitesse, crit, et bah à part si vraiment t'as besoin du max de Führer. Dégâts de zone. Et... Mais attends, mais est-ce qu'il faudrait pas aller vers la prime et Urzel pour être après la prime, par hasard? Parce que là, planque de la... Non, Urzel, c'est juste là, on rentre dans un bâtiment. C'est terminé. Ah, ok. Bah c'est là. Ah, putain, j'ai un classe qui est en Berserker. Attends. Shit. Des trucs. Bah, PS6, on devrait l'avoir à l'annonce en 2026, je pense. Généralement, ah bah, on a un gold en plus. La moyenne d'âge d'une console, c'est 7 ans, donc 2020-2027. Donc 2027 PS6. Voire 2028 s'il y a une grosse PS5 Pro à voir. Ce n'est pas encore prêt.
Ah, oh, PS Phantom, mais c'est quand même. Il y en a plus de 20 millions déjà de vendus, je crois, Cam. Hein. Attends, j'ai pas tout compris, Jérémy. Ils vont encore nous faire chier avec les vieilles consoles là, mais foutre, mais laissez-les crever, putain, quoi, j'en peux plus. Ça me fume, ça. Ok, ready. Alors, Urzael. Ah! Ah oui, c'est un ange fat en fait. Le maître a commencé son travail sur la pierre. Ouais, cool. Cool story, bro. Alors, on va burst. Allez. Bientôt, c'est parti, les gars! C'est toi qui l'as stun? Ouais. Stylé. Je lance des mains en glace. Mange de stun. 50 secondes. Il a une chier de points de vie, hein. Ça va. Ça va, ça va. On n'a pas la même notion de ça va, hein. Oh, musique! Incroyable! Je stun. Ou pas? Ah, mais c'est un canon en fait, il décolle avec. Ouais. Non, mais t'as vu les points de vie, bordel? Ah, ouais, ça descend. Ça descend, ouais. Impossible. Ah, c'est surtout ça qui. Il y a le plancher qui va. Alors, il y a quoi? Il y a un soft edge? Ah, enfin. On en parle après, ça a l'air intéressant, Jérémy. Putain, on a tellement pas de DPS, mec, c'est chaud quand même. C'est triste, hein. Cette absence de DPS. Oh, ta sœur. Oh, il m'a éclaté, putain. Lui, ça va. Oui, ça va pas être trop dur de me raise. Ok, Berserk, c'est parti. Allez, c'est l'heure du burst. J'entends rien là. Il y a la musique, mec, j'entends que là, c'est un truc de ouf. Mais c'est genre Interstellar la musique, hein. Allez, mi life, ce bâtard. Oh là. Putain, heureusement que je peux le stun, hein. Putain. Allez, salopard. Ah, j'avais pas vu, c'est une planche. Putain, s'il est dégueulasse leur feu là. C'est pour ça que j'aime bien les télégraphes, bordel. Là, c'est vraiment dégueu. Ce n'est pas encore vrai. Ah, j'ai bientôt le berserk, je le finis avec, je pense. Ah, 200 millions de points de vie, ce bâtard. Wouah. Tu vois, c'est le PV. Ouais, j'ai tout activé, j'aime bien tout. Hein. Ah, ouais. Mon côté obsessif du contrôle. Oh, ouais. Allez, c'est parti. Let's go. Quelques secondes encore. Ta mère! Putain, il m'a tué pendant le berserk. Salopard! Ah oui, tu disais le sol en fait qui s'effondre. Le sol, le plafond. Ouais, le plafond. Ouais, mais je pensais pas que ça dépopait comme ça. Ouais, les télégraphes sont quand même faits avec le cul. Hein. Enfin, les hitbox du bordel, au secours quoi. Justin. Putain, je pensais pas qu'il pouvait me tuer pendant le. Dans mon berserk, hein. Salopard. Ouais, surtout. Je stop. Allez, putain. Yes, un GG. Tu l'as dit, il a 11 ans le jeu. Alors, en fait, c'est, oui et non, c'est la patte de Blizzard là-dessus, Jérémy. C'est pas fou hein, ce que tu dis, mais. C'est la.
c'est la patte de Blizzard d'être un foutu, mais quand même d'en haut actuellement, hein, ils font toujours pas de télégraphe. Hein. Ils aiment pas ça, très bien, mais bon, moi ça me gonfle. Enfin, j'aime bien les télégraphes pour le coup. C'est un peu leur patte, ils veulent pas passer au télégraphe, je trouve dommage. Donc tu m'as dit crit ensuite. Ah oui, dans les trucs 0-150. Dans attaque, ouais. Chance de crit, ok. Ou réduction plutôt, trop tard. Si tu veux le perdre. Ah oui, réduction de temps de recharge, bon, c'est pas grave. Après, dans la défense. Ah oui. Ah oui, d'accord, ok. Reluxorius. Tu m'as dit quoi, excuse-moi ? All résistance, c'est ce qui te fera le plus. Ok, et dans autre. Dégâts de zone. Ah, et pour splash damage les mobs. Ok. Ouais. Ça roule. Ok, donc on a fait Urza. Ça c'est bon. 6 sur 11, très bien. Maintenant on va aller faire l'araignée, Aranea. Yes. Je sais pas où elle est. Ça va être plus facile actuellement. Ah, c'est l'araignée de fin ? Mort de rire. Ah oui, ouais. Je m'en rappelle d'elle. Ça a bien avancé, ouais, Luxurious, ça a bien avancé. Ouais, je me rappelle d'elle, ok. T'as eu des souffles de la mort, je dis ? J'ai pas eu du tout de souffle, non. Dommage. Non, parce que moi, ça double, mais quand ça loot, mais il faut que ça loot pour ça. Ouais, faut que ça loot. C'est tout le... Il a fait une blague... Non, mais c'est... En fait, Jérémy Sous, c'est pas pour toi. Kamset a fait une petite blague à Drist. Comme quoi, Driss a dit que c'est top 5 des musiques, blablabla. Kamset disait justement, mais non, il a fait plus que 5 musiques, donc ça peut pas être top 5. En gros, elles sont toutes géniales. Bref. Enfin, je suppose que c'était ça l'humour de Kamset. Eh, pour une fois que c'est moi qui. Ah, bah là, moi j'en ai eu plein des souffles, par exemple. Voilà. Là, ça a pop et c'était la teuf, ouais. Moi, j'en ai eu deux, je crois. Ouais, parce que t'as pas tag la personne, Kam, t'as pas tag Drift, c'est pour ça. Avoir développé une effrayante sensibilité à la magie. Lorsqu'ils sont découverts, les arachnides sont susceptibles de grandir de manière spectaculaire, voire de lancer leur propre sort en face d'un... Je passe à le canal général. Je recommande de rester à l'écart des... Il me fume. Ah non, sur Diablo ? Ouais. Il faut encore... Il y a un mec qui fait bonjour, est-ce qu'il y a des gens qui pex ? J'ai fait non, on se touche en m'attendant le slash 1. Voilà. Il me fume. Putain, il a compris, c'est un truc de ouf. Non mais je suis pas non plus gogol quoi. Je suis mignon mais quand même. Pas encore. Donc ouais, Jérémy Saul qui fait les musiques de Diablo 3, je connaissais pas du tout les compositeurs. Hein. Mais elles sont là je les ai jamais entendues comme ça. Je saurais pas vous expliquer pourquoi. Pourtant, j'ai joué à Diablo 3 depuis que j'ai mes nouvelles enceintes, hein, mais là, pendant cette saison, le son, il est extraordinaire et j'ai rien changé, donc je sais pas d'où ça vient, je sais pas pourquoi, mais je vais pas en plaindre, c'est incroyable. Ah oui, voilà. Bonjour. Ok, sors les CD. Hein. Ah oui, là, en fait, c'est des 1 million 2 par coup, d'accord. Ah, tiens, bonjour. Il faut encore... Ça sert à rien de les reprendre, les bassins de réflexion, quand on a déjà pris un, au final. Bah, je pense. Ce cadeau. Putain! Non, mais j'arrive pas à rattraper. Mais oui, il est relou, putain, il va tellement vite! Mais il va être... Ah, si on le perd. Pas encore. Il est où ce bâtard? Ok. Il est où? Au milieu, ouais. Au milieu. Putain, ah, je suis bloqué. Ah, moi aussi. C'est bon, il se barre pas encore. Ah, il est là, je pense qu'il meurt de mon saignement. Ok, si la barre s'agrandit quand tu reprends. Merde, la barre s'agrandit quand tu reprends. Tu parles de quoi, excuse-moi. Je deviens un redoutable guerrier. Je suis perdu, moi, vous parlez de quoi? Mes épaules, je sais pas si j'ai dedans, je pense que j'échange toujours pas. Hein. Non, ça sert à rien d'en reprendre, c'est un truc infini. Ah oui! Oui, c'est infini, Gear. Et on s'en fout que la barre s'agrandisse, en fait, elle sera infinie quoi qu'il arrive. Je n'ai pas encore. Je viens de comprendre de quoi il parlait. Hein. Yes. Y a du monde là. Bon, allez.
Ah oui, d'accord. Oh, quand je me transcende, quand ça fait une explosion qui fait dégâts de l'arme, ça a fait un 4 millions en AOE. C'était rigolo. Pas encore. Bon, elle est où, Aranea? Ah, des bleus. Oh, bah parfait. Je suis sous... Ah merde, je suis sur la fin de Berserk. Il faut encore attendre. Elles ont quoi? Rapidité, orage, un vitesse. Enfin, c'est du poison, quoi, ok. Surveille les HP. Les anciens me donnent la force. Ah ouais, ah, souffle de la mort, tiens, à nouveau. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, ça... Bon, alors, qui a fait la musique de ce putain de Diablo 3, le chat? Parce que, franchement, c'est génial. Avec tout ça, vous me dites, on sait toujours pas qui c'est, hein. Moi, j'aimerais bien savoir, hein. Parce que c'est franchement bon, bordel. Tu sais que j'ai toujours pas changé au final mais les épaules que tu m'as filé et... Ah bah... Okay, attends, si je tape pas là, attends, j'aimerais bien voir quand ça proc. Oui, ça proc à 2,5 millions. Pas encore. Ça proc à 2,5 millions tes putains d'épaulettes, hein, donc oui, je vais pas les... Enfin, je sais pas comment je peux les changer, quoi. C'est bizarre. Bah non, parce que 2,5 millions c'est monstrueux mon niveau, enfin c'est... Non mais quand t'auras ton 7. Oui. Oui, donc pas tout de suite, quoi. Morceau composé par Matt Uelmen. Bah écoute, ce garçon est très fort. Ouais, ouais, lui. Parce que j'en ai plein les oreilles là et je kiffe ça. Ah, coffre maudit. J'ai mon. Merde, j'ai mon. Berserker de l'Espo. On attend hein, de finir, mais. Ouais, good. Ok. Attends, on va prendre ici. Ah, j'aurais pas dû claquer l'avalanche. Attends une seconde. Ah, attends, je change un spell. Qu'est-ce que je. Ah! T'as rien sur la gueule devant. Ok. Alors, frénésie, actuellement je joue en fou furieux. Ouais, ça c'est pas mal. Ok, devient dégâts de feu. Boucherie, c'est cool. Dishur, je trouve ça toujours cool. J'aime bien mon build en rituel dans le chat. J'attends mon CD. Ah, moi je suis tout prêt hein, quand tu veux. Ready when you are, Pouk Pouk. Ouais, je sais. Ah, tu attends ton CD, t'as dit? Okay. Ouais. J'ai mal entendu. Donc là j'ai toujours bien mon... Ouais, brassard. Cours du berserker obtient l'effet de toutes les runes. Incroyable, les compétences, ouais. Ah, c'est mes gants qui puent la merde, faut que je les change par contre. S'en bat les couilles des gants. C'est mes gants à épaule, je peux pas changer. Hein. Vas-y. Ok. Ouais, vas-y. Ah putain, allez. Genre là, ouais, la musique, elle est oufissime. Ce n'est pas encore. Je suis pas fou. Personne ne peut me résister. C'est vrai, bien de problème. Il faut encore attendre. Allez, allez, on le fait celui-là, on le fait, on le fait celui-là. Allez. Yes, trop bien, on a réussi. Y'a des bonus si on en tue plus? J'ai pris des vraies attaques. Non, je crois pas. C'est cadeau. Bah, ça fait les bonus XP. Oui. Ah, ça nous fait un joli bonus de. Aussi, ouais, de chaîne de victime, quoi. Je deviens plus fort. Ok. Alors. Premier coffre. Premier réussi. Putain, que des brassards, j'en peux plus, moi. C'est ce que je veux pas changer, j'arrête pas de looter que ça, quoi. Ça me détruit. Mais merde. Go là. Je te suis. Place de paragon, ça monte hein. Pour les écouter sans jouer. Ah, autant jouer hein. Bah écoutez, je le dis haut et fort.
une saison de Diablo, en tout cas cette saison 28, c'est vachement fun. Et j'aurais jamais cru. Je pense, honnêtement, ce soir, pour vous dire un peu ce que je pensais faire. Hein. Ah, attends, deux secondes. Y'a là, c'est le boss. Je dois rentrer. Je pensais vraiment qu'on allait jouer genre 3-4 heures, que j'allais trouver ça rigolo sans plus, que ça aurait juste été du Diablo 3 classique, et que j'allais aller sur Wild Hearts ce soir. Voilà, pour la petite anecdote, c'est ce que je pensais en fait avant de lancer live, pour vous le dire. Wolong, j'étais sûr que j'avais kiffé, je pensais pas à ce point-là, mais c'est bon, c'est parfait. Je m'attendais vraiment pas à m'amuser à ce point-là sur du Diablo, donc... bluffé. Bluffé. Enfin, j'aime bien Diablo 3 de base, mais... C'est vrai que je pensais pas que le côté d'avoir des trucs à débloquer, d'aller un peu partout dans les actes et tout... Je pensais pas que ça me plairait autant en soi. Alors, attends, est-ce que je peux créer ? Y a pas d'armes mieux, résultat maintenant, bah non. Ça, c'est que maintenant mes plans ils sont tous 70, mais. Ouais. Je m'en refais un pour la science. Après, faut en loot quoi. Il faut en loot. Des armes, tu veux dire ? Oui. Oui. Ouais. Attends, je regarde un peu. Qu'est-ce que j'ai qui est vieux là en stuff? Ah oui, des gants, c'est ça que je voulais faire. Forger, une armure. Donc t'as embrasse. C'est les gants, hein, ouais. Les mains, parce qu'elles sont pas ouf. Gants. Prise du sage. Ça me sert à quelque chose sur la quatrième pièce? Ça me sert à rien, non? Non. Que le bonus est 3 pièces. Non, ça. J'ai un truc légendaire à faire. Ah merde, jaune, ça sert à rien, ouais. Ouais.